Salut les gars, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que vous attendez tous et là avec impatience les gars. 2 mois de minoxidil, la reprise. Donc voilà, ça fait déjà 2 mois que je reprends le traitement les gars. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Je retrouve ma barbe, je vais dire à 80%. Vraiment par rapport à tout ce que j'avais perdu, c'est vraiment pas mal. Alors, on va dire 70 pour être gentil parce que on va continuer le traitement vraiment jusqu'à temps que ça soit vraiment parfait. Alors comme j'ai dit, je ne lâcherai pas. Là, j'en ai encore pour 4 mois encore dans mon placard. Je vais voir ce que ça donne. Je vais sûrement faire tout simplement 2 applications encore pendant 2 mois, voir comment ça donne. Donc ça fera déjà 4 mois en tout de reprise. Et après, je ferai une application par jour, donc soit le soir ou soit le matin, tout dépend vraiment après quand j'aurai le temps de le faire et je serai beaucoup moins assidu et j'arrêterai vraiment petit à petit. Aujourd'hui les gars, je suis très très fier aussi de vous annoncer les 2500 abonnés sur ma chaîne YouTube. 2500 abonnés les gars sur la chaîne YouTube, je suis trop content. Je vous remercie et je vous en remercierai jamais assez. Et continuez justement à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre des pouces bleus les gars, tout simplement parce que ça va me donner de la force encore plus. Et partager ma chaîne avec grand plaisir les gars, partager ma chaîne. Et là vous êtes sûr que yo la barbe ne s'arrêtera pas de sitôt les gars. Donc voilà, continuez à m'encourager comme vous le faites déjà. Et je vous en remercie les gars, c'est pareil sur Snapchat. Sur Snapchat, vous êtes des fous aussi, vous êtes des fous les gars. Tout simplement parce que vous m'écrivez, mais tous les jours, je prends plus de 2 heures maintenant à répondre. Alors pas 2 heures d'affilée bien sûr, mais 2 heures par jour. C'est juste énorme à répondre à tout le monde, ça commence à être très compliqué. Vous inquiétez pas, si les gars je vous réponds pas, voilà, à l'instant T, c'est parce que tout simplement j'ai pas le temps. Ou alors je réponds maintenant beaucoup en vocal, tout simplement parce que c'est plus facile pour moi et en plus de ça, ça me permet de répondre plus facilement. Donc vous inquiétez pas, si je peux vous donner une réponse à votre question ou à vos questions, je le ferai bien évidemment, mais bon, ça prend un peu plus de temps. En ce qui concerne la page Facebook les gars, c'est pareil, le groupe Facebook c'est pareil, franchement nickel. Alors continuez à aller sur le groupe Facebook et puis à venir partager vos évolutions les gars. Le groupe Facebook juste là, voilà, continuez à venir sur le groupe, on vous accepte avec de grand plaisir et bien sûr, montrez vos évolutions à tout le monde, ça fait plaisir et posez vos questions également. Il y a d'autres abonnés qui répondent également, donc c'est ça qui est vachement bien, c'est vraiment l'entraide par rapport au groupe, donc continuez comme ça les gars, c'est vraiment super. Mon Instagram c'est pareil les gars, je vous mettrai ça dans la description avec tous mes réseaux, donc Instagram c'est pareil, on commence à monter un peu, alors c'est un... Bon, c'est pas top top, on a 150 follow quoi, mais bon, continuez quand même à aller voir mon Insta les gars et à vous abonner. Juste avant mon évolution les gars, alors je sais qu'on m'a dit que je parlais beaucoup, mais moi je trouve que c'est ça qui est cool dans mes vidéos justement, c'est que au moins vous me voyez pour quelque chose, vous me voyez pas que pour 1 minute, hop, évolution, tac tac, on n'en parle plus. Donc voilà pourquoi je discute un peu avec vous et je raconte un peu mon truc tout simplement parce que pour moi ma chaîne YouTube c'est du partage, donc je vous partage également mes aventures et mes désaventures. Donc voilà. Donc là, je voulais vous dire, je reviens avec des vidéos sur des tests de produits comme la nouvelle huile à barbe de chez Barbe de Savoie, le nouveau baume à barbe de chez Barbe de Savoie. Franchement les gars, c'est vraiment le feu. Je vous en dévoile pas plus, tout simplement parce que je veux vraiment vous faire une vidéo complète à propos de ces produits-là qui en valent vraiment la peine. Et bien sûr, vous aurez encore le petit cadeau de la barbe 10% sur votre commande sur leur site quoi. Donc voilà, franchement, c'est faut vraiment pas hésiter. J'ai des collègues à moi qui sont barbus et qui utilisent que les produits de chez Barbe de Savoie maintenant qu'ils ont découvert et ils en sont vraiment pas déçus et leur barbe leur dit merci. Donc voilà. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. C'est pareil, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous teste vraiment juste pour faire les beaux contours. On me demande toujours, Wayo, comment tu fais pour faire tes contours et tout? Tu les fais à la chavette? Tu les fais avec quoi, machin? Eh bien, tout simplement, la réponse, c'est le shaver de chez Wall. Alors, c'est un tout petit shaver. Ça vaut 15 balles, les gars, sur Amazon. C'est vraiment pas cher du tout. Voilà. Et ça fonctionne les gars vraiment très 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 bien. Je l'ai fait tout à l'heure.
Vous pouvez voir, il n'y a aucun poil qui dépasse. Et il faut savoir une chose, c'est que cet outil-là est vraiment génial, tout simplement parce que quand on va faire les contours sur la barbe, même si on dépasse un peu sur les poils longs, eh bien ça ne va pas les couper, ça va couper vraiment que les repousses. Donc ça, c'est vraiment génial. Je le fais tous les 2-3 jours à peu près et j'ai des contours nickel. Dites-moi dans les commentaires, les gars, si vous voulez que je vous fasse une vidéo test sur ce produit. Tout simplement parce que je vais me laisser les repousses de poils pendant une semaine pour pouvoir vous montrer vraiment que ça fonctionne. Donc dites-le moi dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir de vous faire un petit une petite vidéo sur ce produit là qui est vraiment vraiment pas mal. Et moi je l'emmène partout où je vais, quand je pars chez des potes ou quoi que ce soit, je l'ai toujours dans ma trousse de toilette, tout simplement parce que c'est génial. En plus le packaging est super sympa, mais je vous en dis pas plus, les gars. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, ça sera pareil dans les commentaires, vous me laissez un commentaire et moi je le testerai cette semaine. Voilà les gars, bon, je pense que je vous ai tout dit les gars, vous n'êtes pas prêts du tout. Parce que ça fait 2 mois que j'ai repris le traitement du minoxidil. Mais alors, c'est juste hallucinant. J'ai vraiment retrouvé pas mal de barbe. De toute façon, vous le voyez bien déjà là à la caméra. Et moi, je suis vraiment trop content. Tout simplement parce que j'ai vraiment cru qu'en faisant le produit, là, en testant le produit du Rivium plus la menthe poivrée, j'avais tout flingué et ça ne reviendrait pas. Et les gars, en 2 mois, voilà où j'en suis. Et ok, j'ai du duvet au niveau de là et au niveau de là. Mais vous allez voir. Franchement les gars, c'est vraiment pas mal du tout. Tout simplement parce que j'ai remarqué que j'ai perdu mes poils. Et ils ont repoussé direct après noir. Donc c'est ça l'avantage que j'ai eu, c'est que je les ai perdus. Mais ils n'ont pas repoussé en duvet. Ou alors certains oui, et certains ont déjà repoussé noir. Donc voilà l'avantage et voilà pourquoi en 2 mois, j'ai réussi à retrouver ma barbe à 70-80%. On va dire, on va pas aller trop vite, mais voilà, 70-80%. Les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que là, moi, je pense que vous n'êtes pas prêts du tout. Allez, évolution, 2 mois, c'est parti. Alors là, la moustache, les mecs, elle est juste parfaite. Je vous fais vraiment au détail. Regardez là, au niveau de la mouche. Ma joue faible. Et ouais, les gars, même la joue faible, elle est pas mal du tout, hein. Le bouc. Alors, le bouc, il faut savoir que j'enlève juste les petits poils au ciseau. En dessous. Ma joue forte. Je vous refais un petit tour. Voilà, la moustache, elle est magnifique. Voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, je suis trop content de mon évolution. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez le gros pouce bleu, tout simplement pour la pousse de ma barbe et la reprise du minox. Les gars, moi, je suis trop content. Voilà les gars, je pense que cette vidéo va se terminer comme ceci. Mais juste avant, tu vas t'abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce bleu. Et moi les gars, je vous dis bonne barbe. On se retrouve la semaine prochaine si vous voulez pour le petit test du shaver. Mettez ça dans les commentaires, j'attends avec impatience si je vous fais le test du shaver. Moi les gars, je vous dis bonne barbe et à la prochaine. Allez, ciao la team !